Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle présentation, cette nouvelle découverte. Vous êtes avec le Signe Noir, on va parler de Dungeon Wheels Tactics. Dungeon Wheels Tactics qui n'est pas encore sorti, sort vers le 10 mai. C'est un roguelike plus pur du genre, hein, c'est-à-dire que vous êtes balancé dans votre donjon, vous essayez d'avancer vers la sortie du donjon, et si vous crevez, et ben vous repartez de zéro avec aucun bonus supplémentaire. Et donc on insiste bien sur le like. Pour l'instant, malheureusement, j'ai pas le prix, mais je remercie Grandpa Development de m'avoir proposé de tester ce jeu. Je mettrai un petit lien Steam pour le wishlist dans la description s'il vous intéresse. Il est actuellement disponible uniquement sur Steam. Il peut se jouer à la manette, mais je pense pas que ça apporte grand chose. Il est malheureusement qu'en anglais, mais vu les textes, ça reste assez accessible. Il est uniquement solo pour l'instant, et il a une petite particularité, vous verrez ça, c'est qu'au lieu de jeter des dés, vous allez utiliser un système de machine à sous pour vos compétences. Et comme vous savez, je suis plutôt poissard au dés, donc j'ai trouvé le concept sympa. C'est pour ça que je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on va basculer sur le jeu tout de suite. Voilà à quoi ressemble le jeu. Donc c'est du pur pixel, hein. Vous allez être dans des maps comme on peut voir derrière là, avec tous ces petits monstres qui vous fixent les yeux pendant que la caméra bouge. Vous allez avoir plusieurs objectifs, hein, dans le jeu, des achievements à débloquer bien sûr, remplir votre codex avec toutes les différentes cartes de destin que vous allez pouvoir piocher, les différents personnages et différents objets que vous allez pouvoir trouver, et les différents ennemis. Et comment ça va se passer? Je vous ai préparé un petit run, pour ça on va immédiatement charger, donc vous voyez que les temps de chargement sont très rapides, on est sur un jeu qui est quand même assez, qui est vraiment pour faire du run, dynamique, ça déboîte, vous foncez, vous survivez, ou vous mourrez lamentablement. Et donc voilà comment ça va se passer la partie roguelike. Vous avez votre équipe à gauche, donc au début vous pouvez commencer avec un perso, sur un coup de bol, avec deux persos. Il y a différentes classes qui sont découpées en trois grandes sections, en gros, les guerriers, les rogues, donc les équivalents des voleurs, et les mages. Ici j'ai tiré un rogue et un mage, il y a différents types pour chaque, avec des compétences assez sympas, hein. Vous pouvez avoir du guerrier spécialisé défense, du guerrier spécialisé attaque, vous pouvez avoir du rogue qui tire à la mitrailleuse lourde, ici j'ai tiré un détonateur qui va lui balancer des grenades carrément, parce que pourquoi pas. Et un Branded, donc un mage de feu, un mage de flamme, qui va pouvoir du coup faire des boules de feu, un classique, et également des petits boucliers de flamme. Le bouclier étant très important dans le jeu, vous allez voir ça. Nos personnages ont différentes caractéristiques, comme on peut s'y attendre. En haut, trois emplacements d'objets que vous allez pouvoir remplir avec des reliques. Donc vous pouvez looter différents objets dans le jeu, mais les seuls que vous pouvez équiper sont ce qu'ils appellent des reliques. Donc on peut en mettre 3. Ici on retrouve le nom de notre personnage. On a sa force, sa défense, sa portée et sa vitesse. C'est assez simple, hein, la force va jouer sur les dégâts, la défense sur votre défense. La portée sur la portée de vos compétences qui ont une portée de base et que vous pouvez augmenter ou diminuer. Et la vitesse sur le mouvement que vous pouvez faire sur la carte de bataille. On a notre niveau, donc à chaque fois que vous allez monter de niveau, vous allez avoir le choix entre soit monter d'un une de ces compétences là, soit améliorer une de vos cartes ici. En gros, chaque icône que vous voyez ici, ce sont des cartes que vous allez pouvoir mettre dans votre machine à sous pour les tirer. À chaque tour, vous allez lancer une machine à sous, il y en a 3 qui vont sortir, et si vous arrivez à sortir les 3 mêmes, vous obtenez le jackpot qui vous permet d'activer votre compétence spéciale. Le 0 sur 65, c'est la capacité de bouclier de votre personnage. Les points de vie dans le jeu sont très chers, assez difficiles à faire remonter, et vous avez très vite tendance à sacrifier vos personnages. Donc tout ce qui est bouclier, qui va vous permettre d'éviter de prendre des dégâts, est très très important et très très utile. Donc ici j'ai tiré que des personnages qui sont pas vraiment protégés au début. Ici on va pouvoir mettre un petit peu de bouclier avec le bouclier de flamme, mais c'est pas fifou. Il me semble que lui aussi, voilà, il a une jacket flak qui est capable de mettre des boucliers mais qui met aussi des détonateurs charge sur la cible. Donc à utiliser avec parcimonie, n'est-ce pas? Et voilà un petit peu à quoi ressemble votre personnage. Donc
si on regarde un petit peu ce qu'on a tiré, notre détonateur, il a des grenades de base, hein, 8 de dommages, et il met détonateur 2 sur une cible. Donc c'est pas mal, hein, c'est assez bien décrit, à chaque fois qu'il y a des effets spéciaux, juste en dessous vous avez une infobulle qui vous dit ce que c'est, donc ici la détonateur de charge. Quand il y a 5, quand il y a 5 compteurs, ça les consume tous et ça fait 15 dommages à tous les ennemis autour. À la fin de notre tour, ça augmente de 1. Donc si on en met 2, hein, au bout de 3 tours, ça pète quoi. Relativement clair comme gameplay. On voit en haut, en jaune à droite, hein, la fameuse Reach. Donc on peut lancer ça jusqu'à 3. Notre mage de son côté a des boules de feu, de fameux boucliers. Il a le Flame Slash également, qui met Burning 6 quand même pour un tour. Ce qui est quand même pas mal. Il peut également consumer toutes les brûlures d'un ennemi pour lui faire des dégâts, c'est pas dégueulasse. Et un autre Flame Shield, ok. Donc là on a un petit, une petite combo là. Et bien sûr la compétence Jackpot qui est en bas. Notre objectif dans le run va être de nous balader dans ces différentes maps. Donc on voit un petit peu à la FTL ou assez classique. Hein. Vous pouvez choisir trois chemins qui derrière vous permettront d'aller que vers là ou que vers ici, etc. Vous pouvez visualiser déjà à l'avance l'intégralité de la map, ce qui est assez sympathique, mis à part quelques cases mystères. Et vous avez toujours une petite légende qui vous rappelle un petit peu ce que c'est, ce que vous pouvez vous attendre à trouver. Donc les fight cards, qui sont ces emplacements-là, vont vous demander de choisir une carte du destin, qui en général vous donne un bonus et un malus. Souvent un bonus pour votre combat et un malus aux ennemis, ou l'inverse, en échange d'or si vous pouvez payer. Vous pouvez également sacrifier certains de vos personnages pour récupérer une fight key. Car votre objectif ultime, mis à part réussir à battre le boss, là on est sur le niveau 1, hein, sur l'étage 1, va être de réussir à récupérer toutes les clés. Et la fight key, vous ne pouvez l'avoir qu'en sacrifiant l'un de vos personnages pendant un événement fight card, donc un événement de carte du destin. Donc ça demande de recruter et de pouvoir sacrifier des personnages, bien sûr. Vous avez différentes conditions pour les autres, hein. Vous pouvez débloquer celle-là en tuant le mini-boss rouge, celui-là en l'achetant dans un shop, ok. Celui-là en butant un boss sans avoir perdu personne. Et celui-là, c'est la reliquie. Il faut réussir à la looter et à la porter jusqu'à la fin du run, sinon bah, c'est mort. Vous avez votre or, vous avez les soul shards qui sont lootés par certains ennemis et que vous pouvez ramasser sur le champ de bataille avant qu'un ennemi le ramasse, et qui vous permettent, quand vous en avez assez, de piocher une carte de recrutement qui va vous permettre de choisir entre trois personnages pour vous en choisissez un pour rejoindre votre aventure. On a éventuellement nos bonus pour le prochain combat, les malus de l'ennemi pour le prochain combat, le nombre de boss qu'on a tué et les paramètres assez classiques. On va tout de suite aller voir un petit peu un combat, ce que ça donne. On va se déplacer par ici, donc on a nos petits personnages qui avancent. On a des petites phases comme ça de narration de temps en temps, assez sympathiques, qui permettent de mettre un petit peu de contexte dans notre aventure. Deux compagnons entrent dans une taverne à Saltshire. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est les explosifs que je suis en train de préparer pour faire exploser le château du grand méchant. Le grand méchant, on ne sait pas trop s'il existe, mais ce serait la cible de nos personnages. Il y a certains personnages qui y croient à fond, dont visiblement le détonateur, qui vont essayer d'aller s'en occuper. Et certains personnages qui y croient pas, et qui font la quête uniquement pour prouver qu'il n'existe pas à la fin. On se doute un peu qu'ils vont être déçus, mais... En fait, j'en sais rien, ça se trouve, il y a un vieux cliffhanger à la fin, et le Great Evil, bah, peut-être qu'il n'existe pas. Assure-toi juste que ça n'explose pas avant qu'on y soit. Ah oui, tiens d'ailleurs, j'ai jamais demandé comment est-ce que tu as eu ces cicatrices de brûlure. Le grand méchant a brûlé mon orphelinat quand j'étais un enfant. Un jour, je compte bien brûler son château. Et il nous apprend qu'ils viennent juste de passer leur certificat d'explorateur de donjon. Et c'est l'occasion d'en profiter pour aller piller un petit peu le donjon des grands méchants. Let's go! En avant! C'est parti. Donc plus vous avez de personnages, plus ils vont papoter.
Donc voilà à quoi va ressembler un donjon. Donc en général, donc là on voit que direct l'ennemi joue, donc bon bah on n'a pas trop le temps de faire grand chose. On a fait un tirage un peu merdique sur notre initiative, on a trois ennemis qui vont jouer avant nous visiblement. Notre petit Brandid va se faire défoncer la tronche. Ok, très bien. Il s'est fait dépouiller. Donc on va directement... Vous voyez que c'est dynamique, hein. Il y a de l'action, on n'a pas trop le temps de buller. Sauf quand c'est éventuellement notre tour. Donc on a eu notre petit trou qui nous a choisi nos trois compétences pour le tour, on va pouvoir voir ça. Et en gros, voilà à quoi ressemble un donjon. Donc globalement, à chaque fois que vous avez un perso, vous avez trois monstres en face. Donc plus vous avez de perso, plus vous avez de monstres. Les monstres sont aléatoires, ils dépendent du niveau de l'étage où vous êtes. Je vais baisser un peu le son parce que j'ai l'impression que c'est un peu fort quand même. Toc. Voilà. Ils dépendent du niveau où vous êtes, donc là on est dans le niveau 1 du donjon, donc on a accès à quand même un certain nombre de monstres différents. Mais ouais, on est sur du rat, du cyclope, du spearman, ici on a un bleeders. Donc on a vu qu'il nous a pas fait de dégâts mais qu'il nous a mis une stack de saignement. On a également l'armure cassée pendant un tour. Et on s'est déjà un peu fait défoncer la tronche hein, avec notre Brandid là. Sachant que le rat va jouer après et qu'il a tout à fait moyen de se précipiter vers nous, on va peut-être voir si on peut s'en débarrasser. Alors, il n'y a pas d'attaque d'opportunité ou quoi que ce soit, on peut complètement se déplacer où on veut sur le champ de bataille. On a une feature assez sympa qui est quand on choisit une compétence et qu'on fait Shift. Vous voyez qu'ici, je peux choisir différentes cibles, et tout ce qui est surligné, quand j'appuie sur Shift, c'est ce qui est ciblable depuis mon emplacement. Donc si je me mets ici, on voit que je pourrais viser tout cela. Très bien. Donc je vais même pas regarder, donc c'est le Flame Lash qui va mettre Burning 6 pour un tour, donc il va faire en gros 12 de dégâts, lui il en a 16. On peut consumer les flammes. 6 damage, plus 6 du coup si on met un burning, et on a la petite boule de feu qui va mettre 3 burnings supplémentaires. Ok. Donc globalement ils ont 0 défense, donc on peut complètement se faire plaisir. Je pense que je vais essayer de me rapprocher un petit peu pour qu'on se pack et qu'on puisse se défendre éventuellement. J'aurais bien voulu sortir un bouclier mais malheureusement c'est pas le cas, donc on va essayer de faire le maximum de dommages. 16 PV, 18, il n'y a personne qui a 12, donc déjà avec ça on va pas pouvoir tuer un ennemi en un coup, c'est bien dommage. Mais on pourrait tuer un 18 avec ça. Ça pourrait valoir le coup. Et avec ça du coup on ferait 6 et 9 et encore 3 au prochain tour. Donc ça suffira pas. Mais déjà on va pouvoir lui faire mal. J'ai bien envie de me débarrasser du rat pour diminuer un peu le DPS parce que le Brandid il a quand même bien souffert, donc même si c'est un petit peu over abuse, je pense qu'on va faire ça. Donc on va se déplacer là. C'est deux cibles. Non, c'est pas deux cibles. Et voilà, c'est ça. Mais c'était clic droit et pas clic gauche, autant pour moi. Et on va lui lancer une petite boule de feu et au prochain tour, il va crever. Du coup cette compétence va nous permettre de mettre un petit peu de dégâts. On va commencer à taper sur le cyclope, on a terminé notre tour. Donc lui va décéder, ah bah vous voyez qu'il a laissé tomber un petit soul shard, on va essayer de le récupérer. Et toi du coup, qu'est-ce que tu as pioché? On peut mettre 4 boucliers et une charge de détonateur sur un ennemi. Ok, ça vise un ennemi, j'avais pas fait gaffe en haut, c'est marqué target ennemi. Ici on peut mettre grenade qui va faire des ennemis de zone, des dégâts de zone et mettre détonateur sur tous les ennemis dans la zone. Alors, quelle taille fait la zone? Ah, c'est une belle zone quand même. Et une scatter grenade également. Donc on va déjà aller récupérer ça avant qu'un ennemi le prenne. On va balancer de la grenade, donc l'avantage c'est que ça ne fait que des dégâts qu'aux ennemis, hein, donc au moins... Bim, voilà. Et lui il reste... Il a bien, il a 4 charges, donc si je ne m'abuse... Ah c'est à la fin de son tour que ça augmente, dommage ça. Quand on a 5, c'est ça, quand on a 5 ça fait des dommages... Alors ça fait des dommages à tous les ennemis, la question qui se pose c'est est-ce qu'on est considéré comme des ennemis?
fou. Est-ce qu'il va nous faire des dégâts à nous ou est-ce qu'il va faire des dégâts à ses potes? C'est la question. On va tester. Ah, je le vois pas, zut, je peux pas lui mettre ça. Bah tant pis, on va commencer à mettre un petit peu de détonateur sur lui. Donc ils ont aussi une machine à sous, mais ils ne tirent qu'une seule compétence, hein, les ennemis. Ok, ça a explosé, mais ça nous a pas fait de dégâts à nous. Ça a fait des dégâts à lui, ça l'a tué du coup. Par contre, le bandit, il se fait dépouiller la tronche, quoi. Waouh, ça pique. Bon, il a une attaque de corps à corps, il peut pas venir normalement. Ah si, ça, il est assez bon. Oh, 3 PV, et il est mort. Merde. Ce premier run se passe nickel. Je me souviendrai qu'il vaut mieux prendre au moins un personnage capable de se défendre, enfin de protéger, parce que ça pique un peu quoi. Alors ici il a récupéré 3 détonateurs du coup. Eux ils sont assez proches. Ah non, non pardon, c'est pas ça, charge strike. 8 dommages et détonateurs sur la cible, ok. On va mettre ça, comme ça voilà. Ça atteint 5, il explose instantanément, hein, ça c'est intéressant. Et là on peut juste mettre un petit détonateur et un autre, il va exploser du coup. Ça lui fait 15 de dégâts, c'est pas assez, on va aller se planquer un petit peu. Ah, notre pauvre... En fait, visiblement, le 4 shield, ça nous met 4 shields sur nous, parce que je vois qu'on a 13. Hein. On va vérifier. Donc là, je les vois pas. Si jamais j'allais ici, je les verrais. C'est parti, on se déplace. Alors, si je veux le faire péter, on a quoi? Charge strike. Et charge strike. 2 et 2, donc on va plutôt le mettre sur lui. Voilà, comme ça on lui met 2. Ouais, ça nous met effectivement le bouclier sur nous. Et donc là, on va pouvoir le monter à 4. Et il n'a pas explosé parce qu'on l'a tué. Ah mince, c'est un problème. J'avais pas envisagé ça. C'est pas grave, on est largement, protégé. On va pouvoir le finir. Hop là. Et donc on a nettoyé la map. Alors ça se termine qu'une fois qu'on a terminé notre tour, hein, donc si jamais il y a des soul shards ou des trucs du genre, on peut aller chercher. On termine le tour. Et on a perdu notre personnage, c'est bien dommage, mais on a quand même moyen de trouver un trésor. Donc pour les trésors, c'est marrant, ils nous proposent de gratter pour nos récompenses. Alors il y a un bouton pour le faire automatiquement quand vous en avez un peu marre. Là on a trouvé une pièce d'or et une relique. Qui fait qu'au début du combat, on gagne Hand Power pour un tour, ce qui augmente notre force de 5 pour un tour. Bah, c'est pas dégueu, c'est toujours ça de prix. A la fin, on a bien sûr des petites stats, hein, puisque vous allez avoir un Laserborn qui va vous permettre de voir un petit peu vos compétences, votre qualité, comment vous en tirez, etc. Et vous voyez, donc on a gagné un niveau, donc comme je vous disais, on va pouvoir améliorer une compétence ici, ou une compétence ici. Je pense qu'avec lui, on va améliorer sa portée, parce que quasiment tous ces trucs, c'est de la longue distance. Donc si on trouve, on arrive à choper un mec qu'on va mettre devant pour taper un peu, ça va être pas plus mal. Et vous voyez qu'on a gagné de la vie, mais qu'il nous l'offre pas. On est à 42 sur 44. Et du coup, on l'a dans l'os. Si on arrive à trouver 3 autres soul shards, on va pouvoir recruter quelqu'un. On pourrait aller ici, ça pourrait être un événement mystère, ça pourrait être tout à fait un recrutement. Ça pourrait aussi être un truc bien pourri. On va tenter. C'est un combat, ok. Normalement on devrait pouvoir gérer 3 ennemis. Hein. Ok, le rat joue vite. Oh, putain, en plus il a tiré un 6. Ça va, il nous reste du bouclier. Et on saigne quand même. Par contre on a notre bonus de puissance. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? 13 de dommages du coup. 13 de dommages, hein, ça fait plaisir. C'est pas assez, mais ça fait plaisir. Donc on peut en faire péter un. Hein. On va faire bim. Bim. Et on va mettre le détonateur sur lui, parce qu'il a de bonnes chances d'avancer et d'exploser. Et du coup de tuer le rat en passant. Et on va encaisser. C'est parti. Donc lui va venir mais il est un peu loin. Oh putain, 7 quoi. Et bim. Voilà, il a explosé comme prévu. Donc on a plus d'armure, mais on a toujours notre saignement qui nous fait un petit peu de dégâts malheureusement.
On devrait être capable de le finir. Hein. Avec notre portée de 4, ça fait bien plaise. 24 PV le grunt là. Mais on lui a mis son petit détonateur, c'est donc la victoire. Par contre on a eu aucun soul shard, c'est pas de bol. On peut tout à fait tirer des tickets de recrutement dans les cadeaux à la fin. On a eu deux reliques, c'est cool. Deux de portée supplémentaire, bah go. Et sur un jackpot, on gagne 2 de défense. Ok. Alors sachant que vous avez la possibilité de gagner un jackpot automatique. Hein. Vous voyez qu'ici, il y a un party jackpot meter. Voilà, on le remplit en utilisant des compétences, en perdant des gens et en ramassant des soul shards et compagnie. Et une fois qu'il est rempli, ça nous permet de lancer un jackpot automatique. Donc là, ça fait son jackpot, il fait détonateur charge tout 9 cibles. Ok, pourquoi pas. Ouais, ça c'est pas mal quand même. On va améliorer une de nos dynamites. Et on va aller chercher la fight card. Donc la fight card, on peut s'entraîner. Donc vous voyez, on a plusieurs choix. Hein. On peut s'entraîner. On a 2 d'or, donc c'est pile poil ce qu'il faut. Et on gagne un de nos personnages aléatoires. Voilà, on est tout seul. On pourrait nous faire perdre 16 points de vie et gagner un ticket de recrutement. On pourrait perdre un de défense. Et pour le prochain combat, on a 4 shields. On échange le fait que nos ennemis seront plus forts lors du prochain combat contre 2 tickets de récompense. Et on pourrait aussi sacrifier l'un de nos personnages pour la fight key, mais bon, on en a qu'un donc. J'hésite un petit peu, 16 points de vie pour recruter, c'est un peu cher, mais je pense qu'on va plutôt prendre ça. On a normalement la possibilité d'avoir du recrutement dans ces trucs là, donc pourquoi pas. Alors, on est enragé pendant un tour, c'est nul. C'est quoi de moins nul? Non, c'est nul. Ah ouais, elles sont perdues du coup. Un petit recrutement, allez. Oh, pff, dommage. Un de riche, un de speed. C'est mieux que ça quand même. Bon, bah, c'était pas une réussite. Tant pis, c'est pas très grave. De toute façon, on va arrêter la découverte, hein. C'était pour vous montrer un petit peu le concept. Le jeu est assez sympathique, franchement je l'aime bien. Ici on voit que maintenant nos ennemis vont avoir un bonus lors du prochain combat, ils vont être plus forts. Mais on a bientôt rempli notre jackpot meter, donc il y aura moyen de lancer notre compétence spéciale. Il y a des compétences spéciales, celle-là est pas mal mais pas dingue. Il y a des compétences spéciales vraiment fun, hein, selon les personnages, qui vont permettre d'attaquer tous les ennemis. Alors le personnage se téléporte d'ennemi en ennemi en mettant des coups, ou de lancer des tempêtes de flammes sur tous les ennemis. Enfin, c'est assez sympathique. C'est un jeu qui paye pas de mine, qui est vraiment bien en pixel, mais bon, moi j'ai un peu de mal encore à reconnaître les différents ennemis juste en visuel. Mais je le trouve quand même assez fun et franchement dynamique, donc n'hésitez pas à mettre un petit wishlist si vous intéresse. Ça fait toujours plaisir, ça aide hein, à avoir la visibilité pour les développeurs. Et je pense qu'il y a un bon potentiel de s'amuser quand même, de faire des petits runs comme ça de temps en temps pour essayer d'aller chercher les boss. Et améliorer les scores qu'on a fait, c'est quand même plutôt cool. J'espère en tout cas que cette découverte vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.